Sur le chemin des chansons, il y a beaucoup de petits bars et beaucoup de chums. Pour nous décrire le parcours familier des chanteurs gaspésiens, retrouvons Jean-Luc Bugeaud. Notre épopée a commencé dans un petit bar dans le bout de Gaspé. La proprio, Madame Côté, a bien voulu nous engager. Suite à notre première prestation, elle réitère l'invitation. On ne peut passer sous silence celle qui nous a donné notre chance. Oui, puis mon chum, on a viré. Oui, puis mon chum, dans les veillées. Dans nos tournées, dans les régions. La Gaspésie jusqu'à Fermont. Dans tous les coins, on est allé. De bons amis, on a trouvé. On a fait des parties privées, mariées, toutes les coupes du comté. Tous les deux avec notre vieille Dodge Ram. Un six penché d'un côté, fallait qu'on rame. Deux, trois pains d'huile de gaz dans le fond pour se rendre à destination. Mon chum, on a viré. Oui, puis mon chum, dans les veillées. Dans nos tournées, dans les régions. La Gaspésie jusqu'à Fermont. Le bord, la marina, Chandler, Denis Pitigui, salut les gars. À Fermont, à Brosserie, où mon chum a trouvé la femme de sa vie. Puis vous autres, la gang de Murdoch, tous rassemblés au bord d'Equinox. Vous le party tout le temps pogné dans nos mémoires. Oui, puis mon chum, on a viré. Oui, puis mon chum, dans les veillées. Dans nos tournées, dans les régions. La Gaspésie jusqu'à Fermont. Oui, puis mon chum, dans les veillées. Oui, puis mon chum, assez de la clé. Jean-Luc Bugeaud. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Patrick. Écoute, gars de construction, chanteur country, entraîneur. Plusieurs métiers, hein? Plusieurs métiers. Mille métiers, mille misères, qu'on dit? Ben non, t'as pas l'air d'avoir trop de misère, toi. On est en santé, on est heureux. T'as une belle femme, t'as des beaux enfants. Ah, ça, j'avoue. Tu fais des bonnes chansons. Ben merci. Ça se passe dans ton patelin, Lance à Beaufils. Parle-nous donc un petit peu de ça. Oui, Lance à Beaufils, c'est des gens que je salue en passant, Martin, Simon et Gaétan, qui ont participé justement à l'enregistrement de mon album « Moi et puis mon chum » que j'ai fait au mois de novembre passé. Et ben la vieille usine, c'est une place touristique merveilleuse qui est reconnue depuis 11 ans cette année. Une belle place où les artistes se produisent à travers le Québec se produisent dans la salle de spectacle et sur la terrasse, bien évidemment, le dimanche après-midi. Ouais. Pour agrémenter. Tu es là tout le jour. Je vais quand même assez souvent et cet été encore des terrasses de prévues pour moi cet été. Nous aurons quelques belles chansons encore de Jean-Luc tout de suite après la pause.